gestion de ce projet. Nous voulons nous prêter le minerai. Ce sont ces routes qu'on veut construire. Nous sommes venus nous imprégner des missions de l'agence qui a maintenant la responsabilité de pouvoir s'occuper de toutes les questions qui concernent les conventions qui sont signées dans le cadre du développement du pays. Nous avons discuté avec le directeur général sur particulièrement le projet Sicomine, toutes les négociations qui ont eu récemment sur cette question qui a été soulevée par le rapport de l'IGF par rapport à l'utilisation de financements qui venaient de la convention sur les infrastructures en échange de minerais. Et nous avons eu à examiner un peu le compromis qui a été obtenu à partir de négociations entre la partie congolaise et la partie chinoise. Alors pour nous, les membres de la société civile, il est question de nous assurer que tous les projets qui vont être gérés par la suite vont l'être de manière tout à fait correcte, de sorte que nous puissions éviter ce qui avait été enregistré dans la gestion passée de ces financements. Alors nous avons échangé sur la possibilité de collaboration, nous avons échangé aussi sur d'éventuels projets et nous nous sommes mis d'accord pour que nous puissions approfondir toutes les questions importantes dans le cadre d'un cadre de concertation. La transparence est ce que nous recherchons. La transparence consiste essentiellement à mettre à la disposition des citoyens les informations par rapport à toutes les actions de l'agence. Le cadre de concertation va être aussi un des éléments qui permettrait justement cette transparence-là. Et donc s'il y a de la transparence, nous pensons qu'elle devrait être améliorée. Déjà le fait d'avoir associé la société civile dans le projet de l'agence, donc disons dans la conception des projets et de mise en œuvre de ces missions, c'est déjà un début de transparence qu'il faudrait absolument aussi consolider par le cadre de concertation notamment et la publication de l'information par rapport aux actions de l'agence à temps voulu pour que tous les citoyens puissent être informés du développement que les actions vont avoir, mais aussi l'exécution des projets qui vont être financés. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.